De l'oseille et tout, là, c'est là que tu fais le vous. Ah, vous avez pas honte, les gars? Vous crânez à deux sur un handicapé? Mais t'es quoi, on est à deux sur un handicapé? À qui tu fais ça? Salut l'équipe, c'est Mickaël H. Et aujourd'hui, accrochez-vous bien parce qu'on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo très particulière. Car on va tout simplement piéger des personnes qui s'amusent à agresser et racketter d'autres personnes atteintes d'handicap. Donc je vous explique, c'est très simple. Il y a tout simplement un abonné atteint d'un handicap qui nous a contacté se disant faire agresser régulièrement par des jeunes en rentrant chez lui. Voilà, il m'a tout simplement envoyé un message, me demander si on pouvait faire une vidéo sur ces personnes afin que ça s'arrête. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, comme vous allez le voir. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour voir les futures vidéos. Il y a du très très lourd qui va arriver cet été. Je suis en train de vous préparer plein d'énormes projets comme à l'ancienne pour les vidéos et je sais que vous allez kiffer. N'hésitez pas non plus aussi à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à ce sujet, c'est si vous êtes témoin de ce genre de situation, de scène, ne restez pas sans rien faire, agissez. Et si vous n'osez pas vous mettre en danger, n'hésitez pas à appeler la police ou à alerter un maximum de monde autour de vous. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo. Oh, tranquille, ça va toi? T'as failli tomber, oh, tu galères pas et tout là, monter la porte, toi, qu'est-ce que tu fous ici? Je rentre chez moi là. Ah, mais t'as réussi. On prend le bus? Bah, si, mais là le bus il m'a déposé, maintenant je dois faire l'aller. T'as pas peur de, je sais pas, de te fracasser quoi avec les pierres là? Non, c'est bon. Non, c'est bon, tranquille, t'inquiète, merci, hein, mais ça va. Hein. Tu veux pas te poser avec nous? Viens te poser avec nous, tranquille, tu vois, tu prends ton temps et tout, viens te poser avec nous. J'ai une sale journée, il fait chaud. Je suis un mec là. On est pas en primaire avec lui. Ouais, t'as comment ça s'appelle? Julien, non? Julien. Non, c'est pas toi. C'est pas toi? Moi j'étais pas d'ici à la base. Hein. Ouais, pareil, moi. Par contre, tu ressembles trop à notre pote. Ouais, ah, Julien, il foutait le bordel en classe. Voilà, il était handicapé, tu vois. Il avait pas frappé la prof de français avec sa blague. Avec sa blague, il a de la CDP. Ah ouais, c'est ça. C'est un ouf, ce gars. Ah, c'est grave cool, les béquilles, en fait, tu peux frapper des gens et tout. Quoi, vas-y, fais quoi? Ça fait comment pour l'avoir? Pourquoi t'as fait un accident de scout? Non, c'est de naissance, en fait, j'ai une maladie musculaire. Ouais, du coup, ça m'enlève certaines facultés physiques. Ouais. Du coup, j'ai pas de force dans cette jambe, j'ai pas de force dans certaines parties de mon corps, et du coup, ben... Comment tu fais pour aller aux toilettes? C'est quoi, c'est... questions, là. Je me casse. J'ai eu chaud. J'ai envie de rentrer chez moi. Viens, tu vois, justement, t'es tout rouge et tout, t'as attrapé des coups de soleil, viens. Non, d'accord, mais c'est bon, on dirait va les vendre, on dirait va te les voler, tu crois qu'il est handicapé lui? Mais dis-moi, comment tu marches, genre, juste, je sais pas... Là, t'as bâtard. Vas-y, fais-le. Avant, je faisais c'est tout, avec. Mais sans déconner, les gars, vous êtes pas cool, franchement. Mais tu vas faire quoi? Tu vas te lever, peut-être? Mais comment ça? Tu vas te lever, peut-être? Il va se lever, lui. Tu vas te lever? Non, c'est bon, arrête de faire le fou. Pourquoi tu veux crâner avec lui? De toute façon, il te casse le cul. Mais j'ai crâné avec personne, je voulais juste rentrer chez moi. Ouais, mais c'est bon, deux secondes, on est là, on est tranquille. Regarde, là, tu me fais tester. Gros, fais attention, c'est pas grave. Comment ça, fais attention, ferme ta. C'est pas à qui tu parles comme ça. T'es sérieux de parler comme ça à une personne. Comme moi? Mais je m'en bats les couilles, handicapé ou pas handicapé, c'est pas parce que t'es handicapé, c'est bon, faire le miskin, je sais pas quoi. J'ai rien dit. À foutre. Ouais, non, t'as pas rien dit. Pouf ta gueule comme ça. Je vais juste rentrer chez moi, vous sonnez mon amour. Ah, les gars, franchement, moi j'ai rien contre vous, mais c'est. J'ai juste envie de rentrer chez moi, c'est tout. C'est bon, tu vas rentrer chez toi, arrête de faire le miskin. Mais non, parle tranquille, t'es là, je crois. Peut-être qu'on allait faire quoi? Peut-être qu'on allait tabac. Non, c'est bon, on est là, il fait genre l'handicapé, je sais pas quoi, l'handicapé, je m'en bats les couilles. Je vais rentrer chez toi, juste on est là tranquille, entre nous, il va pas nous casser les couilles. Je te dis quoi pour l'eau en plus? Quoi, tu me prends pour un mytho? Non, j'ai rien dit, moi. Ouais. Il t'a dit quoi pour l'eau? Il t'a dit qu'il va te la remplir ou non? Alors pourquoi tu fais des manières? J'ai pas fait de manière, je. Si, tu fais des manières! Si, t'es là, tu fais le paille depuis tout à l'heure. Non, je vais juste faire attention. Je suis avec toi, tu crois que je vais te la casser la béquille? Non, j'ai pas dit ça. Mais la femme t'a gagné, prends l'air, c'est tout. Et après, tu rentres chez toi. Propre, m'agresser. Comme ça. Il n'y a pas d'agressement, c'est toi, tu veux faire le miskin parce que justement, t'es handicapé, on doit arrêter de. Moi, je te dis ce qu'il est, c'est tout. Là, c'est un prétexte. Moi, j'ai rien. Non, c'est toi un prétexte. Tu fais genre, monsieur, t'as des béquilles et tout, on s'en bat les couilles. Là, on est en train de s'amuser avec toi. Là, tu fais des manières. Et là, tu cherches à avec lui. C'est toi qui casse le cœur. Il m'a été pas, il est content. Déjà, de un, tu peux pas te lever. Y'a quoi? J'ai une mauvaise journée, j'ai juste envie de rentrer chez moi. C'est là que tu parles mal. Tout le monde a une mauvaise journée. Moi aussi, j'ai une mauvaise journée. On a tous une mauvaise journée. Il fait chaud. Voilà. J'ai ma mère qui est malade aussi. Moi aussi, ma mère, elle est malade. Arrête de faire le muskin, c'est fini.
Les gars, handicapé, c'est bon. C'est bon, je suis ça, tu sais tout. Est-ce que tu peux récupérer mes béquilles, s'il te plaît, et rentrer chez moi? Ouais, mais maintenant tu vas t'excuser. Excuse-toi. Bah, ça va, je suis désolé, je. Non, mais tu vas t'excuser. T'as quoi là? Sur toi là, t'as de l'argent là, t'as intéressé un peu. Comment ça? Ne touche pas, je te dis, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ah, vous cramez parce que j'ai un problème musculaire, tu fais quoi, les béquilles? Vous avez pas honte, les gars, vous crânez à deux sur un handicapé? Mais tu crois, on crânait à deux sur un handicapé? À qui tu fais ça? À toi, ça, recule, lève-toi. Ah, c'est bien ce que je pensais, ferme ta gueule. Vas-y, passe, touche pas. Passe, ah. Vas-y, passe. Non, y'a pas de passe, y'a pas de passe, t'as bouffé un malin, maintenant, regarde. On fait les gentils avec toi, là, tu crames trop, là. J'ai pas cramé, c'est vous qui m'avez agressé. Tu me dis, ouais, je sais pas quoi, tu vas casser la truie, là. Un malade, je t'ai jamais insulté. Quoi, mais rigole même pas avec nous, ouais, moi, je suis en enterrement. Tiens, c'est bon, moi, je suis en enterrement. Le frappe, parce qu'après, on va avoir des problèmes, mais fais pas le malin. C'est bon, vas-y, je peux récupérer ma sacoche, rentre chez moi. Y'a pas de sacoche, casse-toi maintenant. Y'a pas de sacoche. Je veux juste rentrer chez moi, c'est tout. Quoi, tu veux tes béquilles? Bah, je veux bien mes béquilles. Vas-y, tes béquilles, elle va marcher comme ça là, gna. Vas-y, va, prendre tes béquilles là, dégage. Je veux juste mes béquilles et. Le paye est arrivé, il était comme ça là. Maintenant, c'est bien, moi je fais le voyou. Elle est où ta sacoche? Elle est où ta sacoche? Je sais pas, je fais. Viens, attrape-la. Vas-y, passe ma sacoche. Attrape ta sacoche. T'es là, je faisais le nerveux. J'ai fait le nerveux. Oh, t'es handicapé, tu fais le nerveux comme ça? Mais non, je vais le rentrer chez moi, c'est tout. Tu fais mal malin, t'as dit ça? Mais t'as vu, il prend pour un mytho. Ouais, mais c'est fou, tu fais mal malin maintenant. Hein? Mais j'ai jamais maintenant, fait mal malin. Maintenant qu'on a pris les béquilles, monsieur, fais-moi malin. Vous êtes sérieux, les gars? Non, mais sérieux. Mais c'est avec nous que tu vas crâner là? J'ai jamais crâné avec vous. Arrête de faire le malin, moi c'est le G. C'est incroyable. Tu sais que t'es faible et tu fais le malin en plus. C'est juste ça, t'as vu ça, il en profite. Tu sais que t'es faible. Ça c'est comme les mecs, tu sais, dans les bus, ils arrivent comme ça avec leur putain de roue. Ouais, ils sont là, ils te tapent dedans, Ah, mais gros, je suis comme vous, j'ai juste un problème. Non, t'es pas comme moi, Regarde, moi je marche sur mes pieds, t'es pas comme moi. Toi t'es un swatch, t'es un spoon. Ouais, je peux faire du sport. C'est quoi le rapport avec le sport? Bah voilà, t'es pas comme nous, c'est tout. Vas-y, au pire, ça sert à rien de se prendre la tête, les gars. Pour lui, c'est béquille, vas-y, ferme ta gueule et bouge là. J'ai besoin de ma sacoche. Non, tu vas prendre ma sacoche, vas-y. Y'a mes papiers, mes sous et tout. Je m'en bats les couilles, vas-y, t'as voulu faire le malin, maintenant assume jusqu'au bout. Tu veux faire le bonhomme, assume jusqu'au bout, tu veux être comme nous, assume. Et là, je suis gentil avec toi, là, sinon je t'aurais roosté, là, vas-y, dégage. Vous êtes sérieux? Dégage, vas-y. Ouais, mais sérieux. Vas-y, je vais récupérer ma sacoche. Vous allez faire quoi? On va rien faire, cache-toi, c'est tout. Cache-toi. Moi, je vous propose un truc, juste vous me rendez ma sacoche et on en reste là, je rentre chez moi. Ouais, je suis pas. Enfin, dégagez, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait qui mérite que. Dégage, vas-y, pars, bouge, vas-y. C'est bon, là, t'as fait le démon, vas-y, bouge, vas-y, bouge. Bon, j'y vais. Bouge. Aide-moi à me relever. Vas-y, allez, partout. C'est bon, doucement. C'est bon, les gars. C'est bon, y'a pas de bébé. Bouge, dégage. J'y vais. Il s'est barré? Oh, la sacoche elle est là, les béquilles sont là. Il est où ton collègue là? Je sais pas où il est. Ah, il a galopé comme une petite ton collègue. C'était ton collègue ça? Et ouais. C'est ton collègue ça? Parti, il a galopé. Regarde, tu te retrouves tout seul dans ton truc. Qu'est-ce que tu fais gros? J'ai envie de te tarter. T'es là, tu me raquettes parce que tu crois que je suis handicapé. Quand je reviens, t'assumes même pas.
T'oses même pas assumer, t'essayes de te barrer en courant. Donc voilà l'équipe, c'est comme ça que cette vidéo se termine. Malheureusement, je peux pas tout vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, on lui a bien fait comprendre la leçon hors caméra. On lui a montré que je faisais des vidéos sur internet, j'avais quand même une certaine visibilité. Et on a été très clair avec lui pour pas qu'il y ait de nouveaux problèmes avec l'abonné. On lui a tout simplement expliqué que si on entendait encore qu'il y avait d'autres problèmes de ce genre par rapport à lui, on n'hésiterait pas à balancer son visage sur internet. Donc voilà, fin de l'histoire, il vaut mieux que ça se termine comme ça. Sur ce, c'était Mikalash et je vous dis à la prochaine. Allô. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, recule. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Bon, vas-y, casse-toi!